Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sifano et bienvenue dans cette nouvelle et troisième vidéo sur Might and Magic Duel of Champions. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver sur ce jeu qui vous plaît bien, hein. Les deux premières vidéos ont pas mal marché. Alors elles commencent à dater un peu maintenant, elles datent d'il y a, je crois, 2 mois, puisque la dernière vidéo était sortie, si je dis pas de bêtises, durant les vacances d'été vers fin juillet. Je crois que ça doit être ça. Et elles ont fait quand même plus de 100 000 vues chacune, ce qui est un très bon score si on veut se baser en termes de stats. Donc, j'ai vu que certains me demandaient si j'y jouais toujours, etc. J'avais un petit peu baissé de pied, et là, la nouvelle extension, Les Péchés de la Trahison, vient de sortir. Du coup, je m'y suis un petit peu remis, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire, à cette occasion-là, du coup, une petite vidéo. On va pouvoir un petit peu tester, voir les nouvelles cartes, essayer de se confronter à des adversaires. Donc j'ai pas énormément joué, mais ça va être l'occasion de découvrir en même temps que vous certaines choses. Il y a certaines choses que je connais évidemment. Et puis bah voilà, comme c'est un petit peu mon jeu de cartes fétiche, c'était l'occasion de vous refaire une vidéo depuis quelques temps. Donc on va partir tout de suite sur une partie et on se retrouve en jeu pour voir un petit peu comment tout ça se déroule. Allez, à tout de suite. Et on est parti alors. Joueur qui commence, conserver cette main. Alors ouais, on va voir qu'est-ce qu'on a. Ah, on a des trucs plutôt pas mal, hein. Ah ouais, ah oui, 9, on a des trucs plutôt pas mal. Je pense qu'on va garder cette main. Ouais, je pense qu'on va garder cette main. Et on va donc tranquillement commencer. On va placer... évidemment, on va pouvoir placer aucun de nos petits copains. Donc on va faire une fin de tour pour commencer. On va y aller tout doucement. On va le laisser faire. Il vient de se sacrifier 2 PV, hein. Ah, il se sacrifie 2 PV pour invoquer ça. D'accord, très bien. Alors, on va augmenter... Non, on va piocher une carte pour le moment. Voilà, que je vais pouvoir, elle, invoquer pour aller la contrer. Parfait, j'ai pas trop regardé ça. Je vais essayer 3 emplacements adjacents sur le champ de bataille. Infliger 2 points de dégâts à toutes les créatures s'y trouvant. Ah, bien ça. Ok. Plutôt pas mal. Bon. Alors, il y a pas mal de créatures là que je ne connais pas déjà. Oh là là. D'accord. Placer un marqueur plus 1 sur toutes les créatures de lumière alliées. Oui, très bien. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va augmenter ça. Et qu'on va direct envoyer ça parce que. Ça doit être les 3, ouais. Vas-y, go. Non. Parfait, que je puisse un petit peu m'en débarrasser quand même. Et ensuite, on va. Pour le moment. Bon, on peut attaquer, mais bon, ça va rien faire de toute façon. Voilà, il a esquivé. On va rester comme ça. J'ai l'impression qu'il est en train de sortir énormément de monstres dès le début. Bon, il va falloir rapidement réagir. Recherchez dans votre bibliothèque une carte de bâtiment du Havre ayant un coût de 3 au moins et jouez-la gratuitement. D'accord. Bon, alors déjà, elle va venir se mettre ici. Et il va falloir qu'on invoque des créatures pour se défendre. Il va clairement falloir qu'on invoque des créatures genre elle. Que je ne peux pas invoquer évidemment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de force. Zut. Ouais, j'ai voulu aller un peu vite. Alors du coup on va mettre celle-ci quand même. Au moins ici. Et on récupère celle-là. Ce qui est sa petite particularité, ça c'est assez sympa. Et voilà, on va mettre fin au tour ici pour le moment. On garde un petit peu de réserve. Parce que dès que mes grosses créatures vont arriver... Je devrais pouvoir normalement lui faire bien mal. Ouais. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai que des instants que je ne connais pas. Gagner un pour chaque bâtiment allié sur le champ de bataille, d'accord. Alors, on va continuer d'augmenter notre force. Et du coup, maintenant, normalement, ça devrait être bon. On va pouvoir l'invoquer. Et lui, déjà, il devrait calmer un petit peu tout le monde. Maintenant... Je ne peux... Non, je manque à ce niveau-là. Bah écoutez, ça me semble bien. Et lui, il va l'attaquer. Voilà. Et on va mettre fin au tour. Ça va, on est un peu mieux là. On a invoqué notre créature, ça va un petit peu mieux. Super. C'était bien la peine. C'était bien la peine, oh le bordel. C'est pas grave, allez, on va y arriver. Du coup, c'est le moment d'invoquer peut-être des petites créatures en défense. Hop. Pas d'option valide, c'est pas grave. On va invoquer elle également. Ah, pas d'option valide.
Très bien, et pour 2, on va jouer cette carte. Voilà, comme ça on gagnera 1 à chaque fois. Et on est bon, voilà. On s'est un petit peu reconstitué parce qu'on était... Ah mais c'est pas possible! C'est quoi ce deck qu'il a, lui? À chaque fois, il me les défonce tous. Bon. Il va clairement falloir encore une fois augmenter... Non, je vais augmenter ma force si je veux vraiment envoyer les grosses créatures sur le terrain. Je pense que lui, je peux l'envoyer. Ouais, je vais me permettre d'envoyer lui. Et elle, du coup, qui est vraiment sympa. En premier plan, pour bloquer. J'espère qu'il va pas encore me les dégommer avec ses sorts. 4 points. Oh, la vache. Ok, bon, alors toi, déjà, tu vas te calmer. Tu commences à m'énerver. C'est pas possible. On va encore augmenter ça. Et du coup, là, on devrait pas tarder à pouvoir les envoyer. On va envoyer lui. Je préfère envoyer des créatures à la grosse défense parce que sinon... enfin, avec beaucoup de PV parce que sinon, on va prendre cher. Hop. Et ça me paraît bien pour ce tour-ci. Oh la vache. Ouh, il a pas invoqué n'importe quoi. Il a pas invoqué n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque la caserne entre sur le champ de bataille ou lorsqu'une créature majeure de type humain est déployée, déployez la caserne d'une créature soldat humain mineur de type tireur de mêlée. Pour être accumulé si possible. D'accord. Je suis encore forcé d'augmenter pour pouvoir invoquer elle. Et ensuite, ça devrait aller. Du coup, on va le placer ici. Toi, t'es gentil, tu me débarrasses le plancher de lui. Toi, tu me l'attaques lui. Et on va même pouvoir se permettre le luxe de placer lui pour finir. Bon, on est plutôt bien là, on est bien, il va falloir piocher des cartes maintenant. Waouh. Ouf. Oh la vache, il me l'a déjà défoncé. Il a énormément de sorts. Hein. Va falloir faire gaffe. Hein. Parce que là, je suis en train de sortir toutes mes plus grosses créatures. Il m'en a défoncé une. Pioche une carte. Super. On va la mettre là. Et tout, on va la mettre là. Voilà. Et ici, on va rajouter quelqu'un en défense. Toutes les créatures de lumière alliées, on va leur rajouter plus un. Parfait. Et toi, tu te cales ici. Bon, là, ça devrait aller normalement. Toi, tu peux toujours attaquer lui. Et toi, tu me défonces lui. Il devrait bientôt mourir. On est bon, ça va le faire. Même si je pense qu'elle va encore m'en dégager. Oh la vache. C'est bon, oui. Tout ce qu'elle est en train d'invoquer va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Alors, frappe préventive, oui, on va piocher une autre carte. Qui choisissait 3 emplacements adjacents sur le... Ah, très bien. Alors, je pense que le mieux est de faire ici. Ouais, ces 3 là. Go, vas-y. Ça devrait déjà bien les affaiblir, effectivement. Et puis, on va forcément envoyer elle. Ah non, je n'ai pas assez, zut. Je n'ai pas assez. Et là, pareil, je n'ai pas assez. Bon, bah, c'est le moment de passer à l'attaque, un petit peu. Du coup, déjà, défonce-moi cette carte. Toi, tu n'as pas assez, mais tu vas déjà bien l'affaiblir. Hop. C'est pas grave. On est en train d'un petit peu les défoncer. Ah, il esquive lui à chaque fois. Il esquive. Ok, très bien, fin de tour. Ça va être chaud, hein. La partie va être assez tendue, je sens. On est mal barré. On est très très mal barré. Il est puissant ce deck. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. On est mal. On est très très mal. Alors attendez voir. Je vais caler. Pourquoi je peux toujours pas? Ah, je peux pas tout augmenter non plus. On va le mettre. Ah, on est obligé de le caler là. Hein. Et toi, vas-y, jouez cette carte. C'est
ayant un coût de 3 ou moins, c'est ça, oui. On va prendre ça. Et on va la mettre ici. Perfecto. Alors maintenant, il s'agit de se débarrasser un peu des créatures qui nous gênent. Bah voilà. Et eux, ils sont réapparus. Perfecto. Et lui, je peux le jouer également. Non, je peux pas le jouer parce qu'il me manque. Il me manque un. Ok, très bien. Bon. On va voir. Comment ça va se passer? Ok, on a déjà dégagé un. Il est en train de te les booster. Il les booste, mais si vous regardez en termes de PV, ils ont plus grand chose. Donc c'est jouable. Je pense qu'en termes de PV, c'est jouable. Oh là 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 là, par contre. Il faut impérativement que je mette une protection là, parce que sinon on est. Je crois qu'on a perdu. Non, on n'a pas perdu. Ok. On n'a pas perdu, mais on est limite. On est très limite. Alors attendez, attendez, attendez. On va enfin augmenter ça. Pour que je puisse mettre. Non. Je vais jouer elle en défense. Toi. Je vais te mettre par-dessus. Ici. Voilà. Là maintenant, on va pouvoir faire un peu des brèches nous aussi. On va commencer à pouvoir faire des brèches. Non, elle, il faut surtout pas qu'elle attaque, elle est là pour protéger. Voilà, fin de tour. Non. Parce que si elle attaque, c'est fini. What? Ok, on a perdu. On a perdu avec ses sorts, à chaque fois il me les dégage tous. Non. On est mort. Attendez. Eh ouais, on est mort. Ok, on s'est fait laminer la gueule. Mais littéralement, c'était... C'était mon dieu, quoi. C'était assez violent. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je modifie un petit peu tout ça, et puis on va tenter une deuxième partie quand même, on va essayer d'en gagner une, au moins une sur deux. Mais franchement, sympa là, ces cartes, c'était... C'était assez puissant. Ouais. Bon allez, on va tester d'autres trucs. Allez, on est reparti. Donc, ouais, je vais garder ça. Je vais garder ça. Donc ça, c'est un deck, je crois que vous connaissez. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. On va voir ça ensemble. De toute façon, je ne vais rien pouvoir invoquer pour le moment. Donc on va faire un fin de tour. Et puis on va bien voir. Pour le moment, lui, il arrive à nous invoquer une sorte de petit ghoul, là. Il a mis quelque chose sur le terrain. Alors, déjà, il faut que j'augmente la force pour pouvoir en invoquer pas mal. Et je pense que... On va d'ores et déjà invoquer lui. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais si vous souhaitez télécharger le jeu, ça s'était déjà demandé la dernière fois, je l'avais rajouté dans la description, mais les gens avaient pas forcément... J'avais oublié de le dire en vidéo. N'hésitez pas, il y a un lien dans la description si vous souhaitez télécharger le jeu. Il est gratuit, hein, donc c'est vrai que souvent on me pose la question. Vous avez la réponse. Alors... On va essayer un peu de s'en sortir. Tant qu'il invoque ses ghouls, ça va. Les ghouls, c'est pas grand-chose. C'est pas... C'est pas terrible, terrible, ça devrait aller. Alors, on va essayer de la jouer stratégie. Et du coup, ouais, du coup pour ce tour-ci, il sera fini. Par contre, toi, je peux te défoncer. Yeah! Parfait. Fais un petit peu le ménage. Ça devrait aller mieux, ce deck, je le connais un peu mieux. J'espère que ça devrait aller mieux, on va voir ça. On va encore augmenter. On n'a pas besoin, forcément. Non, on n'a pas forcément besoin, du coup, on va plutôt augmenter... Ceci. Alors, jusqu'à votre prochain tour, la créature gagne plus 2 et moins 2. Et plus 2, ouais, très bien. Ouais, c'est ça que je voulais. Du coup, on va attendre de placer lui ce tour-ci. Et lui va se contenter d'attaquer lui pour l'instant. Et fin de tour. Et au prochain coup, on augmente lui. Et il va lui infliger 5 points de dégâts. Le problème. Il est en train d'invoquer tous ces monstres. Alors attendons, attendons. Infliger 2 points de dégâts à la créature ciblée, oui. Voilà. Voilà. Et. Voilà. C'est comme ça que ça se passe ici. Et on va finir en piochant une carte. Que je ne peux pas invoquer, mais bon. Voilà. Bon, je risque de me prendre un coup ou deux, c'est sûr, mais je vais déjà enlever.
pas mal là. Je crois qu'il a pas trop aimé. T'as, regardez, du coup il riposte, il fait la même chose. Et voilà, très bien. Alors, ça se passe bien là. On va piocher une carte. Et on va... Du coup, ouais. Et à toutes les créatures adjacentes. 2 points de dégâts, c'est pas mal. 2 points de dégâts, du coup on va faire ça comme ça. Voilà. Et on va invoquer lui. Ok, pour l'instant lui il va terminer lui. Voilà, on lui dégage tranquillement ses créatures. Ça va, pour le moment on arrive à bien le... à bien le bloquer. Par contre évidemment on n'est pas à l'abri de ce qu'il est capable de me faire. On va piocher une carte. Et là c'est le moment je pense d'invoquer un petit peu pas mal de gens. Ou alors on invoque une grosse créature. Non, on va plutôt invoquer des petits pour l'instant. Juste le temps d'au moins un petit peu couvrir la zone. Et comme ça au moins au prochain tour après on invoque les grosses créas. Oula, 4 points de dégâts. Très bien, on laisse tomber. Va falloir invoquer tout de suite les grosses créas finalement. Alors, très bien. Pioche une carte. Oui, nickel. Alors, toi. On va peut-être plus invoquer lui. Et avec les 3 qui me restent, on va invoquer lui. Qui est quand même très très bon. Et on va mettre fin à notre tour. Ah. Genre, détruisez la créature ciblée, rien que ça. Ça va, il y en a qui s'embêtent pas. Bien. Alors, du coup, il va falloir la jouer méthodique. On va faire... on va mettre peut-être une grosse créa là. Pour ce tour-ci. On invoquera... on l'augmentera plus tard. Pour le moment, on va mettre des grosses créatures sur le terrain. Je ne peux pas, évidemment. Je ne suis qu'à plus 3, zut. Oui, évidemment. Du coup, on va mettre elle pour bloquer ce couloir. Et encore elle pour bloquer ce couloir-ci. Et maintenant, parce que lui, il est quand même pas dégueu, on va booster lui pour ce tour-ci. Voilà. Et là, au moins, comme ça, s'il m'attaque, on devrait pouvoir le calmer direct. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pas eu le temps de voir. C'est quoi cette carte? Vas-y, fais ton truc. Enchantement de créature permanent. Au début du tour de son contrôleur, infligez un point de dégâts à son héros. Oh, je vais prendre un point de dégâts par tour avec elle. Waouh. J'ai intérêt à vite l'attaquer alors. Parce que sinon, ça va faire très mal. Du coup, moi j'augmente. Et je devrais pouvoir, voilà, déjà je vais pouvoir appeler elle sur le terrain. Elle est bien. Je vais également appeler elle parce que lui s'il crève, voilà. Et... également, on va peut-être attaquer. On va peut-être attaquer. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû la mettre là, elle. Je sais pas. Bon, on va attaquer, forcément. Et hop là. Bien, allez, c'est parti. Ça va être serré, je pense. Ah, mais lui aussi, il perd des. Il a sacrifié un de ses PV là. Ah, ouais, d'accord. Ok. Il a carrément. Ah. Ça va être serré ce duel, je pense. Ah, je perds. Voilà, merde, ouais, c'est bon. Elle est morte. Je préfère la savoir morte, honnêtement. Parce que sinon, elle va pas être évidente. Et là, par contre, là, t'as voulu jouer. On va jouer. Elle, tu la mets. Ah, je suis obligé de la laisser là. Je suis obligé de la laisser là. Par contre, là, bim. Et non, et ce sera pas pour ce tour-ci. Mais au moins, on va casser elle. Voilà. On devrait normalement s'en sortir. Oula, 4 points de dégâts. Ok, donc elle dégage toutes, quasiment. Aïe. Chaque fois que l'assassin noir attaque... ouais, très bien. Il est en train de s'enlever des PV. Ça va être serré. Il va falloir impérativement invoquer des cartes. Déjà, toi, t'es gentil, tu le dégages. Et maintenant, par contre, faut protéger. Alors, ici, tu protèges. Ici tu protèges. Et toi tu protèges là. On va s'en sortir, normalement on va gagner. Hop. Bien, parfait. On devrait s'en sortir, il va peut-être même se suicider tout seul en fait. Voilà, il s'est suicidé tout seul. En attaquant il s'est suicidé tout seul, c'était... c'était pas mal. Bon,
Ouais, on va voir un peu, c'est vrai que j'ai pas regardé les stats tout à l'heure. Ouais, créatures utilisées, on a beaucoup plus utilisé de créatures que lui. Bon, bah écoutez, ce fut sympathique. On va s'arrêter là, on aura vu des nouvelles créatures que, perso, j'avais pas encore vues, et qui étaient vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous souhaiteriez revoir des vidéos. Je sais que beaucoup dans mes abonnés sont des adeptes d'Hearthstone, je vous ai déjà dit, moi Hearthstone c'est pas trop mon truc, je préfère celui-ci. Bon, chacun ses goûts après tout, mais voilà. J'espère donc, comme je le disais, que ça vous aura plu. Peut-être que je vous en referai d'ici un mois ou deux, on verra s'il y a d'autres extensions qui sortent. Ce sera avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Allez, bye tout le monde. Cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow.